Bonjour à tous, donc nous voici sur The Crew, c'est tome 9445 qui est évidemment accompagné d'un invité, Florian. Bonjour. Donc on va faire The Crew, j'ai tellement attendu ce jeu. Donc on vous laisse apprécier donc l'introduction du jeu qui est vraiment magnifique. Ouais, exceptionnel. Quand j'ai vu ça au tout début, au trailer, quand ils ont montré le jeu, j'ai fait waouh. Donc voilà, j'étais impatient franchement de tester le jeu. Donc maintenant, je vous laisse apprécier l'intro magnifique. C'est juste énorme la carte. Ouais. C'est gigantesque. Au début, tu vois juste le petit truc, tu te dis, oh, finalement, c'est genre juste tous les États-Unis. Never drive alone. Ah, bah, c'est fait par The Glitch Mob, la musique. Donc, j'ai déjà commencé la partie, évidemment, j'étais super pressé. Donc, voilà, niveau 19. Sur 50, je pensais qu'il allait avoir plus de niveaux que ça, mais non, il y en a jusqu'à 50. Donc voilà, il y a tout ça comme monde en ce moment sur la carte. Voilà. Donc pour aller de New York à Los Angeles, par exemple, il y a 120 km, par exemple. Ouais, voilà. Et 120 km, on le fait pas en 2 minutes, je préfère le dire. Mais genre juste ça s'entend réel ou pas? Bah là les serveurs c'est pour tout le monde le même serveur et après voilà bon bien sûr c'est pas réellement la carte des États-Unis hein. Voilà c'est un petit peu plus petit hein. Enfin largement plus petit mais voilà c'est déjà l'un des plus grands prendrait plusieurs jours si c'est ouais. Impossible c'est l'une des plus grandes maps du moment on va dire donc voilà bon là c'est juste Chicago. Donc on commence l'histoire à Détroit et puis après voilà Chicago, Saint-Louis, après New York, voilà. Et après je suis allé voir un peu partout, enfin un peu partout. En même temps, tout ce qui n'est pas découvert c'est en grisé et ce que j'ai découvert c'est en couleur. Voilà. Donc voilà, là j'ai tous ceux qui sont dans la partie voilà. Ok tout ça en ce moment donc dans The Crew donc
faut faire un coup. Voilà, pour l'instant, il n'y a personne dans le coup. Après, les amis, voilà, on fait les amis. Session, c'est ce qu'il y a là dans la partie. Voilà. Donc, si vous êtes dans The Crew, bah, n'hésitez pas à m'ajouter comme ami enfin, avec le nom de Alors, mon pseudo. Eric Sou, il a un dossier intéressant. Ah, il a vraiment l'air intéressant. Mais on a besoin de lui, pour le moment. Tu crois que tu pourras travailler avec lui? Si je peux bosser avec toi, ça doit être à ma portée. Donc là, je suis avec ma première voiture, la Dodge Challenger. Donc on a tout le long des parcours des petits défis comme celui-là. Précision, par exemple. Ah, raté. Ah, ça me déçoit, toi. Non! Voilà. Précision, hein. Tu as des amis disponibles? Moi, s'ils veulent former un groupe. Oui, bah oui, mais là j'ai pas de crew pour l'instant. J'avais un crew hier, mais voilà. Bon, c'était très nul. Ce fail au bout du début. Au bout du début, oui. Au bout de la route. Voilà. Donc après, il y a d'autres véhicules. Donc on a un garage mobile, hein. Si tellement, enfin, si ça pouvait être aussi simple que ça tous les jours, hein. Je change de voiture comme ça. Allez, voilà. Alors où est-ce que j'ai mis le... Alors où est-ce que j'ai mis la Ford? Ah bah tiens, elle est là. Là c'est la dernière Ford Mustang GT. Voilà, King. Hein. Le truc très voyant. Hein. Voilà. Donc, si on fait déjà une épreuve. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, je vais faire une épreuve, puis après je vais te passer la main, on va dire. Tu fasses une épreuve aussi. On va faire rater tout à fait. Mais non, mais sur les missions que j'ai déjà faites. Oui, c'est bon. Voilà. Après, il y a des missions que j'ai pas fait, comme ici. Enfin, ils sont à New York, donc après on se promènera jusqu'à New York. Voilà. Sans se téléporter, hein. Pour voir la distance vraiment que ça fait quoi. Donc voilà, on va commencer une mission, on va faire bon, allez, ça, une destination. Alors, je vais me déplacer tranquille. Malgré tout, ça fait 4 km. Hein. Le jeu reste pas mal au niveau fluidité, ça va. Je suis entre 50 et 60 FPS, ça va. Ah bah c'est plutôt pas mal. Donc des fois quand il y a beaucoup de poussière et tout ça, l'ordi commence un petit peu à faire des signes de souffrance, mais ça va. Avant de tenter cette mission. Enfin, des petits signes de souffrance, genre 30 FPS, ça va. Donc, et toi, donc, tu le trouves comment là, le jeu visuellement comme ça? Ouais, première juste, vue. Juste magnifique. Mais quand même, moi je pensais qu'au début que le jeu allait faire moins de. Enfin, énormément de place de disque dur, mais en fait, non, il fait à peine 20 gigas. Contrairement à GTA V, qui a une map plus petite et qui fait 60 gigas. Pour la version PC, donc c'est énorme. Alors que la map est plus petite, mais après voilà, Rockstar ils sont très pointilleux au niveau de tout ça, des graphismes et tout ça. C'est sans doute grâce à ça. Bon, il y a déjà quelques missions. Là j'ai eu médaille de bronze, hein. Si j'arrive à mettre une médaille d'argent, ça ira. Il y a quoi comme type de mission? Alors là il y a mission type course, type fuite, type en cop,
Voilà, donc tu peux choisir soit en coop, soit en solo sur chaque mission. Donc là, je vais demander à des gens s'ils veulent bien faire une course avec moi dans une mission. Ou des fois, on se prend un gros vent, peut-être comme là. Voilà. Oui, bah coop, oui. Personne n'a accepté, oui, c'est cool. Bon, solo, voilà. C'est plus cela. Voilà. Herschel, le pilote d'essai m'a vu et ça a dégénéré. Qu'est-ce qui se passe? Je te rappelle. En parlant d'histoire, c'est un mec, en fait, il y a eu son frère et tout ça qui a été tué et il faisait partie d'un crew. Et là, voilà, il revient 5 ans après et en gros, il Alex, me mangeait. Est-ce que ça va? Son frère. À peu près. Le venger dans. Bah, en gros, venger les gars qui ont tué son frère. Voilà. Donc là, il faut l'abattre. Et voilà, je, voilà, par exemple, c'est une mission ouais, où il faut toucher le billet. C'est des missions comme ça, par exemple. Là, je l'avais fait en coop, par exemple, celle-là. J'ai un petit peu perdu du temps. Santé, mec. L'écart se réduit. Parce que bien sûr, la touche qu'il faut pas toucher, la touche de l'enregistreur. Voilà, tu t'es dit, ouais, mais what? Oh là là, ça m'a fait. Là, je l'ai touché pendant une seconde. Je vais un petit frais, je me dis, ah mince, je l'ai désactivé. Allez, non. Mais non, mais il était en train. Et il y avait 13%, enfin 13. Je sais pas. Mais t'as vu, je l'avais frôlé et. Ouais, voilà. Non, mais. T'as failli toucher. Attends, j'aurais essayé juste une fois. Voilà, je vais pas faire l'erreur de mettre en cop. Hein. Voilà. Force le pilote à s'arrêter. Et tu fais juste de toucher, ça passe, non? Ouais. Là, non. Allez, à droite. Allez. Là, il va lentement, là, c'est quoi ce truc? Est-ce que ça va? Je vais voler une voiture de course pour aider Hirsch à passer des caps. Ah non. Et gagner mon tatouage. T'es infiltré dans un gang, mais ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Relax. Cette voiture a été volée sur commande en Europe. Donc, techniquement, on récupère un bien volé. Ok. Si on peut la restituer plus tard, ça va. Mais la prochaine fois, je l'ai touché. On en parle. J'ai touché combien de fois? Oh, 5%! Un 5, il reste 5 points. Je crois pas que c'est 5%, mais 5 points. En gros, je le frôle, c'est bon. Allez, fonce! Je vais l'avoir, je vais. Allez. Voilà, c'est voilà. Bon. Voilà, voilà, tu as torché là. C'est bon. Ah, c'est ouais, bon, j'ai là. Bien foncé voilà. Au début, et voilà. Une belle Dodge Charger, par exemple. T'as fait ce que je t'ai dit? Ouais. Va au circuit et prends sa place pour la session d'essai. Eh belle, enfin, il est beau là, le skin de voiture. Ne fais pas remarquer. Roule comme si tu faisais un tour d'essai normalement et prends la première sortie que tu vois. Ah ok. On a sa chance de gabarit. Allez. Là il faut faire le meilleur temps, donc en gros il faut aller à fond tout le temps. Trop. Bon là ça reste simple. Ça me prend un jour expérimenté. Mais c'est vrai que ça tombe pas, ça tombe pas beaucoup. Même raté.
Donc, prochaine mission, ça sera à toi. On va voir comment tu te débrouilles. Pas très bien, certainement. Et bien sûr, les vues intérieures. Voilà. Plutôt bien faites. Moi je préfère rester en vue extérieure. Et que je suis sur clavier, c'est mieux. Après quand j'ai un volant, là, j'ai le volant mais je l'ai pas mis. C'est mieux à l'intérieur. 385, ça va, hein, la vitesse est normale quoi. Voilà. Je crois que quand même, hein, c'est pas un circuit difficile. Hein. Non, tourner non, rond, non, hein. Oui, c'est pas... Ah, ok. Bon, ah. Wow. Là, je crois que si je me rappelle bien, il faut les échapper. Il faut s'échapper de. Ouais. Ok, donc c'est une mission en plusieurs quoi. Sachant que j'ai déjà fait. C'est pas cette mission. Mais je l'avais fait en. Avec mon crew, je l'ai jamais fait en solo. Arrache-toi de là, je veux cette bagnole. Ah ouais, ok, 4 étoiles. Oh oh. What? Bah, ok. Ok. Je suis dans un truc de ça. Ok bah. What? Mais c'est bon hein. Non. Non. Mais quoi capturer? Mais c'est n'importe quoi. Attends. Et je touche une seule fois ouais, pour non, mais... le... Pas bon. Voilà. Je touche une seule fois. Attends, j'ai même pas le temps de reculer, ouais, non, mais je suis c'est arrêté. Ça. Par contre, ouais, bon, c'est juste pour ça, c'est un petit peu abusé. Par contre. Tiens, regarde, là, il y a un genre de tour bizarre là-bas. Voilà, sur la map, là. Ouais. Ça permet de gagner 2 000 $ sans rien faire. Plutôt cool. Comment ça se passe? C'est un point, tu sais, de découverte. 2000 bucks. Voilà, juste pour voir 3 images. Voilà. Voilà. T'en profiter là. Oui. Voilà, par contre là il y a un petit freeze là. Là il est 5h30 du matin. Là voilà. Tu vas faire la version. Donc les rues sont pleines à 5h30 du matin, c'est pour ça. Ouais. Tout à fait logique. Voilà, voilà. Pas le jour manuel 1999 et la sécurité des policiers. Donc maintenant à toi. Bon, on va voir si COP marche encore, enfin, si ça marche, mais après si les gens acceptent pas c'est... Voilà. Donc, c'est bon hein, voilà, ils m'ont embrassé. Hein? Ah ouais. Et il dit non. Mais voilà une pas cop... toi non. Donc voilà, je te laisse la place. Oh. Alors contrairement à Thomas, moi j'ai jamais joué à ce jeu. Je joue jamais au jeu de voiture, alors ça va être quelque chose de marrant, je pense. On va voir. Ça va peut donner un truc de marrant. Surtout qu'il a des face au clavier. Oui. Le chargement est un petit peu long parce qu'il faut en même temps. Se dire qu'il y a la, le chargement ok autour au jeu sans équipier. Ok, il t'a abandonné, équipier. Bon, bah t'es en mode solo en gros. Voilà. Voilà. Bah, limite comme ça, on sera pas déçu quoi. Voilà. Ouais, mais bon, l'équipier, si tu rates, il peut te permettre de gagner la mission. Ouais, c'est ouais. Ça qui est bien. Ouais. Par exemple, moi j'étais en niveau par exemple 16.
J'ai aidé quelqu'un qui était au niveau 2 pour une mission. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Bah, je vais lire. Ah, d'accord. Ça va pas être trop compliqué. T'es le mec de Zoé? J'aurais pas dit ça comme ça. Tu dois être Omar. Si Zoé t'envoie, c'est que t'es bon au volant. J'ai besoin que tu gagnes une course pour moi. Ah ouais, et en j'ai plus, là, tu vas faire un truc. Bon, tu crois que tu peux le faire? En off-road. Voilà. Comme ça peut se voir. Donc là, il n'y a pas de route. Hein. D'accord. Donc là, normalement, bon, hein, tu vas entre les montagnes et ça va. Bon, accélère. Allez. Va être bon. Voilà. T'es un peu trop optimiste. Voilà, non, il n'y a pas de route, donc c'est assez large, hein, je crois. La fait pas mentir. Genre, comment je sais que je peux utiliser la nitro? Là, il y a la jauge à côté du compteur. Voilà, quand ça monte en blanc, c'est bon. Ok, quelqu'un t'a fait une petite poussette. Je vais utiliser la nitro, là. C'est plutôt efficace, puisque... Comment dire? Ok, voilà, je crois pas que tu peux escalader quand même autant, hein. Mais bon, le mec, attends. Mais c'est un connard. Mais oui. Tiens, je vais tout. Incroyable. Voilà. Allez. Bon. C'est le checkpoint. Bon, le 7ème, il est pas très loin, quoi. Attention, petit saut. J'avoue que par exemple dans les parties de raid comme ça, les graphismes sont particulièrement beaux parce que là on voit vraiment. Bah, les effets de lumière sont vraiment magnifiques. Ouais. Ouais, en plus, Star Wars, tous les détails au sol. Ouais. Il faudrait que tu me dises parce que je voudrais regarder le sol pour les détails. C'est pas pratique. Ah, ouais, bon. Ah, d'accord. Échec de mission. Hein, bon. Si tu veux recommencer. Hein. Ouais, ouais, on peut essayer une fois encore. On a fait deux fois, voilà. Mais une fois encore, voilà, si. Quand j'aurai raté, on pourra se dire. Bon. Hein. Après, on ira à New York. Zoé a dit que ce serait facile pour toi. Voilà. La fais pas mentir. Elle dit que ce serait facile. Il y a même un hélico qui nous filme, quoi. Ouais. Je dis, eh, voici la course de off-road. Donc j'imagine, hein, le commentateur qui dit ça. Bon, bien sûr, tout ça en anglais. Hein. And this is the race. Oui. Oh, j'étais... Eh, je suis revenu. Ça fait l'excuse du siècle, hein. Voilà. Bon, n'escalade quand même pas les montagnes. Bon, là ça va, ils sont assez tassés. Voilà, là tu l'as bien repris. Oh, c'est bien là. Mais bon. Pour l'instant, allez. Là. Hein. La nitro, c'est là, t'es sur la route. Normalement, ça devrait aller. Non, parce que quand j'ai pas de route, je sais, je fais où je veux. Là, je pense nitro. Là, c'est l'arrivée. Là, vas-y. Non, oh non, oh, t'étais pas loin du premier. Et il faut finir premier pour gagner la mission. Ouais, oh, c'est impossible. C'est ça le truc. Vas-y, montre-nous comment tu fais. Là, tu vas réussir. On va voir. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bah, attends, je vais essayer de me mettre en coffre encore. Si une personne accepte. Ah, trois d'un coup. Ah, trois d'un coup. Plaisir. Et je fais ok, hop, trois d'un coup. Ah, il y en a un qui a accepté. Alors, ou ce trois là, ou je sais pas quoi là. Allez, accepte. Accepte? Oh, mais non, il a refusé.
Hein, surtout, venez hein, dans la course. Bon, des fois, il y a les gens, ils sont mauvais. Parce que tu sais, ils font des gestes anti-jeu, tu vois. Ouais. T'es en équipe. Ouais. Les gens, ils te poussent. T'es en équipe. C'est logique. T'es en équipe, mec. Enfin, voilà. Ouais, c'est. Il suffit. Mais dans tous les jeux, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui font chier le monde pour rien. Alors que, voilà. Moi, j'ai fait gagner une pièce d'or à quelqu'un qui avait un niveau 2, par exemple. Mais moi, j'étais niveau 16 ou 15. Ouais, on connaît l'intro, hein. Le chargement peut être long hein, en fonction des connexions des gens. Ouais. Ah, il a accepté quand même. Parce que sinon, ça aurait marqué l'affiche. Ça aurait affiché le truc. Ah non, mais il avait intérêt, hein. Sinon, je le retrouvais. Je te passe. On va voir s'il va faire un geste anti-jeu ou pas. Je sens que c'est pas son genre. Il est là. Voilà, on voit Jason. Non, il a le même truc que moi, sauf qu'il est niveau 50. Ah oui, ça. D'accord, c'est... Oui, je suis niveau 19. Oui, je comprends. Oula, les IA, ils partent n'importe comment, et moi aussi, un petit peu. Oui. Mais du moment que je suis deuxième après lui, j'ai quand même gagné, parce que c'est lui qui me fait gagner la course, en gros. Au gros, je peux être dernier, j'aurais quand même gagné. Si, il est premier, bien sûr. Ouais. Bon, le but, bon, c'est quand même... On compte sur toi, Jason. Voilà. Allez. Normalement, je serai deuxième. Hein. La logique fait que je serai deuxième. Normalement. Bon, moi, c'était deuxième, comme ça, s'il sera fort un petit peu, tu... Je serai la première place, quand même. Je pense. Ouais. On a les... Juste derrière. Oh, je me suis rattrapé. Mais pour l'instant, elle est pas très loin de la ligne d'arrivée. Oh non. Je vais être troisième. Mais bon, je suis sur le podium. Hein. C'est... Oula, il y a un bug du trafic là. Voilà, bon, bah au moins... What? Quoi, mauvaise direction? C'est quoi ce truc? Ouais. What? What? Quoi? Qu'est pas ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un bug énorme! Regardez, je viens de passer la ligne d'arrivée! Ouais! J'ai gagné, mais il y a tout le monde! Regardez, les IA, ils sont comme des idiots! What the fuck? Coucou! Attends, je vais foncer sur lui là! What? Alors, what? C'est quoi ce bug? J'ai jamais vu ça. Tu dis que tu passes la ligne d'arrivée, mais en fait, hein, tu la passes pas. Mais... C'est une feinte. Genre, elle a un moment. Oh là là. Bon, quand est-ce qu'on passe au suivant? Alors, voici la voiture. On vous présente 10 000 fois. Bon, vas-y, passe là. Allez. Bon, il y a un bug du jeu énorme. Voilà, donc voilà. Maintenant, vous avez la preuve en vidéo qu'il y a un énorme bug. Voilà. Là, c'est... Là, ça m'est jamais arrivé, ce bug. Voilà. Bon, hein. Tu peux passer. La suivante.